Les appareils personnels, les hommes qui ont pris le ministre de la Défense nationale et anciens combattants. En général, c'est un chemin d'honneur. Rentrez pour vous accueillir, rendre nos honneurs à l'occasion de la cérémonie commémorative marquant le 103e anniversaire de l'armistice. Je vous invite à passer le déplacement d'honneur en ami. Commandant de déplacement d'honneur, le major, vous dites quoi? Thank you.
L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté. Monsieur le chef de la... Monsieur le vicaire général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté. Monsieur le commandant de la 14e région, se passera comme suit. Après l'exécution des hymnes nationaux, il y aura courte prière par l'aumônier protestant en chef. Ensuite viendra le mot de bienvenue de Madame le secrétaire général aux anciens combattants. Nous suivons également l'allocution de Son Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant ici représenté. Dépôt des gerbes de fleurs, hymne aux morts, défilé des anciens combattants, hymne national, photo souvenir, fin de la cérémonie, et ensuite il y aura cocktail. Je profite de l'occasion pour les cocktails pour signaler déjà à l'avance que le cocktail aura lieu à la maison du combattant. Une fois que la cérémonie est terminée, nous prions aux invités de pouvoir se diriger directement à la maison du combattant. Ainsi, j'invite l'aumônier protestant en chef pour une courte prière. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous. On nous dit Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-les pour ses hauts faits, louez-les selon l'immensité de sa grandeur, louez-les au son de la trompette, louez-les avec l'anse et la harpe, louez-les avec les tambourins et avec des danses, louez-les avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-les avec les cymbales sonores, louez-les avec les cymbales retentissantes. Et tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. 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 Nous acclamons très fort le Seigneur parce qu'il nous a donné cette journée commémorative. Je voudrais vous demander avec tous les respects possibles de vous lever et que nous puissions prononcer la prière. Dieu des armées, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers que toi tu as créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs et les tonnerres, le clair matin et la lumière du soir. Laisse que Seigneur, en ces moments, que ton nom soit élevé et glorifié. Toi qui as voulu et qui a permis à ce que cette journée ait lieu, c'est pourquoi nous qui vivons, nous qui respirons, nous te louons, nous te bénissons. Nous voulons recommander, Seigneur, cette cérémonie entre tes saintes et divines mains, parce que nous savons que toi tu es le commencement de toutes les choses. Si toi tu n'es pas au rendez-vous, tout ce que l'homme pourrait faire sera nul et sans effet. C'est pourquoi, Seigneur, avant que nous puissions commencer cette cérémonie, nous voulons te louer, te bénir, t'inviter à ce que tu sois parmi nous dans tout ce qui va se passer. Fais que, Seigneur, toute personne qui va passer en ces lieux pour prendre des paroles devant ton peuple, que, Seigneur, cela puisse être pour ta gloire. Parce que nous sommes ton peuple, toi, le maître des temps et des circonstances. Seigneur, si nous célébrons cette grande cérémonie, c'est parce que toi tu as été avec nos vaillants combattants et tu les as gardés. C'est pourquoi nous sommes fiers
de célébrer cette journée. Sois béni notre Dieu. Nous voulons recommander tout entre tes mains. Commence avec nous, chemine avec nous et termine aussi avec nous. Dans le nom précieux de celui qui vit, qui règne, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant que je puisse commencer, je m'excuse devant l'Assemblée pour un grand retard qui est indépendamment de notre volonté. Monsieur le secrétaire général de la Défense nationale, représentant personnel du ministre de la Défense nationale, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique, ici représenté. Je m'excuse d'abord, je m'adresse à l'honorable sénateur. Excellence, Monsieur le chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté. Mon général, Monsieur l'inspecteur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté, mon général. Monsieur le premier président de la Haute Cour militaire, monsieur l'auditeur général, ici représenté. Monsieur le commandant de la 14e région militaire, mon général. Monsieur le commandant des corps et services. Madame le bourgmestre de la commune de Kasavubu, ici représentée. Monsieur le bourgmestre de la commune de Limété. Mesdames, Messieurs les cadres et agents du secrétariat général aux anciens combattants, Messieurs les officiers généraux et supérieurs, et Messieurs les vétérans, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs, distingués invités, qu'il me soit permis, avant toute chose, d'exprimer ma profonde reconnaissance à l'éternel Dieu des armées, maître des temps et des circonstances, qui a permis la tenue de la manifestation de ces jours. Saisissant aussi cette opportunité toute particulière, je me fais l'honneur de rendre un vibrant hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la Police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa vision éclairée, ne cesse de penser au bien-être et à la vie sociale des anciens combattants. Souhaitant à toute l'assistance la bienvenue en ces lieux du combattant, appelé la place de la République, j'ai un agréable plaisir de vous remercier, en dépit de vos multiples occupations, d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ici représenté. Distingués invités, la rencontre de ce jour fait écho de la journée de l'armistice, commémorée le 11 novembre de chaque année,
depuis 1918, marquant ainsi la fin de la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918. Il s'agit en significatif d'une convention conclue entre les belligérants pour suspendre les hostilités sans mettre définitivement fin à l'état de guerre, à la Première Guerre mondiale. Les Allemands étaient partisans d'une armistice immédiate et sans condition face à la coalition de l'Entente. En effet, hormis les tensions belliqueuses liées aux hostilités, il importe de noter qu'en Belgique, la guerre avait créé des liens de solidarité et de fraternité entre les compagnons d'armes. En dépit de son statut de neutralité, sur décision de la Belgique, la force publique a participé avec succès à cette guerre aux côtés des forces alliées britanniques et françaises. À cet effet, une cérémonie de la célébration de la journée de l'armistice, ce 11 novembre 2021, est organisée en vue d'exprimer les sentiments de reconnaissance et de solidarité nationale, afin de rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale les rôles joués par nos vaillants anciens combattants et rétablissement de la paix et la liberté dans le monde. En réunissant à ces lieux et à cette date historique, les hautes autorités politiques, administratives, militaires de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, l'organisation de cette manifestation offre l'assistance, l'opportunité d'avoir une pensée pieuse, ceux qui ont payé les lourds tributs pour parvenir à la déclaration de cet armistice. La journée, loin d'être seulement festive, elle est aussi interpellatrice pour démontrer au monde entier la défaillance des recours à la guerre comme mode de règlement des différends entre États. Présentement, il est presque impossible de trouver les mots justes pour décrire les sacrifices consentis par nos vaillants soldats de la force publique qui se sont battus avec bravoure, en donnant les meilleurs d'eux-mêmes jusqu'à payer les sacrifices suprêmes pour que le monde retrouve la paix. Il importe néanmoins de noter que le 11 novembre marque aussi la date de la fin de l'horreur, de la souffrance, des séparations et d'innombrables morts imposés par la guerre. Ces vaillants vétérans étaient modèles de discipline, de patriotisme et de bravoure pour les hommes en uniforme tant présents qu'à venir. Cette première expérience a servi de modèle fructueux à la génération les ayant succédé au sein de la force durant la Deuxième Guerre mondiale de 1940 à 1945, dont un échantillon est parmi nous aujourd'hui. Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale ici représenté, Messieurs les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo ici représentés, mon général, distingués invités, les mots seuls ne peuvent suffire pour exprimer les hommages dits à ces vaillants anciens combattants qui nous ont légué un monde fondé sur les valeurs des libertés. C'est dans cette optique que se justifient les projets sociaux initié par Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, sous le leadership éclairé de Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. En significatif, la prise en charge des bien-être des anciens combattants et leurs dépendants par le gouvernement constitue un juste hommage, une reconnaissance de la nation à ceux qui se sont engagés à servir sous les drapeaux. Ne pouvant au cours de cette allocution étayer toutes les meilleures façons de rendre honneur aux anciens combattants, il importe de noter en définitive que le plus bel hommage que nous leur devons, c'est certes notre engagement de préserver la paix et la sécurité. C'est pourquoi ils se sont battus. Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale et anciens combattants ici représentés, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique ici représenté, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique ici représenté, mon général, distingués invités, les anciens combattants ici présents et par eux, tous ceux de la République démocratique du Congo sont prêts à suivre attentivement le message de son Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ici représenté par le secrétaire général de la Défense nationale du Congo. Et vive les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Et vive les forces armées de la République démocratique du Congo. Et vive les anciens combattants. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Musique, ouvrez les bancs. Musique, ouvrez les bancs. Armo Piripo. Armo. Honorable sénateur, Monsieur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Belgique, ici représenté, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté, Monsieur l'inspecteur général des forces armées, ici représenté, Monsieur le Premier Président de la Cour militaire, Monsieur l'Auditeur Général des Forces armées, ici représenté, Monsieur le Chef de la Maison militaire, ici représenté, Monsieur le Commandant de la 14e Région militaire, mon général, Messieurs les généraux et officiers supérieurs, en vos titres et qualités, Messieurs les représentants personnels du commissaire, du bourgmestre de Kasavubu, distingués invités, en vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi avant tout de vous présenter les excuses de Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, qui devait lui-même présider cette cérémonie, mais qui s'est trouvé en dernière minute empêché par le devoir de l'État et qui nous a légué le pouvoir de le représenter ici.
Et c'est cela qui a occasionné ce retard avec lequel nous démarrons cette cérémonie. Permettez-moi aussi, avant toute chose, de vous présenter nos très sincères remerciements à vous tous qui avez répondu à l'invitation de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense. Malgré vos multiples occupations, pour rehausser de votre présence la présente cérémonie de ce jour. Aussi, c'est avec déférence que nous saluons et rendons un grand hommage au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui n'aménage aucun effort pour être toujours aux côtés des anciens combattants et assurer le suivi de leur bien-être et s'associe de loin à ce dernier à l'occasion de cette cérémonie. Par ailleurs, ce geste témoigne de l'attention particulière et l'importance prioritaire que le commandant suprême accorde à l'endroit de nos anciens combattants qui ont énormément contribué à recouvrer la paix à travers le monde pendant la Première Guerre mondiale. Pour rappel, c'est le 4 octobre 1918, alors que ses troupes et celles de ses alliés bulgares, autrichiens et turcs subissent le revers et ne remportent plus victoire, que l'Allemagne entreprend une négociation bilatérale en adressant au président américain Wilson une demande de paix sur la base de 14 points. Cette dernière est mal vue par les dirigeants européens qui en étaient tenus à l'écart. Entre-temps, les négociations avec l'Angleterre et la France s'ouvrent un mois plus tard, c'est-à-dire le 8 novembre 1918. À Rotonde, dans un train affrété pour accueillir les plénipotentiaires, le maréchal Foch, assisté du général Wigan de la France et accompagné par la délégation anglaise, reçoivent la représentation allemande par l'ANSIS, par le ministre Eisenberger. Après la lecture des conditions d'ANSIS imposées par les alliés, on requiert du gouvernement allemand, dirigé par Groné, qu'il accepte tout ou rien de ces propositions. L'empereur Guillaume II d'Allemagne abdiqua le lendemain, c'est-à-dire le 9 novembre 1918, et la République étant proclamée, le nouveau gouvernement allemand de Friedrich donne son accord. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé dans un wagon dans la forêt de Compiègne, entre l'Allemagne d'une part et la Grande-Bretagne et la France d'autre part, représenté par l'amiral Wemyss, le général Weygrand et le maréchal Foch, mettant ainsi fin à la Première Guerre mondiale. Il est à noter que l'armistice a été signé à 5 heures du matin et pris effet à 11 heures. Ce 11 novembre 2021 est une nouvelle occasion offerte à la République démocratique du Congo de s'associer aux autres nations du monde pour s'arrêter un moment, réfléchir et avoir une pensée pieuse à la mémoire de ceux qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, mais dont les hauts faits méritent d'être historiquement évoqués et honorés. À l'évidence, la force publique d'alors
n'était préparé que pour assurer la sécurité publique et interne. Mais l'histoire lui reconnaît qu'entre la sécurité publique interne et la défense de l'intégrité du territoire, les anciens combattants en ont remporté victoire sur victoire face à des troupes spécialisées, mieux entraînées et plus équipées que eux. En dépit d'être déclaré neutre par le traité de Berlin, le Congo fut contraint, après que la flottille allemande du lac Tanganyika coula le bateau à vapeur belge, Alexandre Delcombe, d'entrer en guerre aux côtés des forces alliées britanniques et françaises, ainsi décida le gouvernement belge. Nous mentionnerons à titre exemplatif la campagne du Cameroun de 1914 à 1916, la campagne du lac Tanganyika et Rhodésie de 1915 à 1916, la campagne est-africaine-allemande de 1916 à 1917, où nos anciens combattants conquièrent tour à tour Kigali, Nyanza, Kigoma, Tabora, Mayenge, près de Mozambique, pour ne citer que cela. Ces hauts faits figurent dans le paquet d'héritage, de bravoure et de discipline léguée à toutes les générations qui ont suivi jusqu'à nos jours. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, ces exploits furent réédités par les combattants de la force publique. Ceux-ci participèrent avec succès dans les campagnes d'Abyssinie, du Nigeria, du Moyen-Orient, en Égypte et en Palestine, et de Birmanie. Une telle histoire louable mérite d'être enseignée à nos enfants et régulièrement rappelée pour éviter d'être reléguée dans les oubliettes de l'histoire. C'est pourquoi la semaine de l'ancien combattant est organisée par le secrétariat général aux anciens combattants, non seulement pour s'en souvenir, mais aussi pour honorer à juste titre les différents hauts faits d'armes de nos militaires, afin que soit pérennisé l'esprit de discipline, de bravoure, de patriotisme, de sacrifice, de nationalisme et de victoire dans les rangs des militaires actuels. Cette commémoration rend hommage à ces vaillants fils morts dans les deux guerres mondiales, ainsi qu'à ceux qui, depuis notre indépendance jusqu'à ce jour, versent leur sang pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale. La présente journée doit enraciner en nous la culture de la paix, de la nouvelle citoyenneté, du dialogue, de la tolérance, de la compréhension et de la coexistence pacifique entre les peuples. À cet effet, nous vous prions de vous lever et de vous servir une minute de silence en mémoire des militaires congolais tombés sur les différents champs de bataille. Je vous remercie. Cher papa et cher grand-père, chers anciens combattants, la République démocratique du Congo ne vous oubliera jamais. Elle vous restera toujours reconnaissante pour avoir su donner aux générations qui vous ont suivi sous les drapeaux des bons exemples de loyauté, de discipline, de bravoure, de patriotisme, de nationalisme, de sacrifice et d'abnégation et de courage au front. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Défense nationale et anciens combattants, et sous le leadership du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, se mettra toujours à votre écoute et ne ménagera aucun effort pour la recherche des solutions idoines à vos différentes préoccupations. C'est ainsi que, dans le cadre de l'encadrement de nos tributeurs, le secrétariat général aux anciens combattants vient d'installer dans chaque commune de la ville de Kinshasa des bureaux des anciens combattants
pour assurer le suivi social de ses protégés. Nous remercions une fois de plus tous nos invités qui ont répondu à la présente manifestation, ainsi que ceux qui, de près ou de loin, ont contribué pour sa réussite et son déroulement. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Que vive les forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive les anciens combattants. Je vous remercie. Musique garde à vous. Musique garde à vous. Allô?
Gardez. Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, mon général, ainsi que